par Monaco et c'est parti, coup d'envoi donné pour l'équipe de France pour ce match très très important. Kylian Mbappé sur la gauche, il affole tout le monde. Ouais, Kylian Mbappé au deuxième poteau, attention, il y a peut-être une bonne position pour Ousmane Dembélé, il a frappé. Et finalement, le contre, qui est venu le contre de Szymański. Aurélien Tchouaméni maintenant à 30 mètres, ballon pour la tête peut-être de Griezmann ou de Giroud. Le ballon est toujours dans la zone de vérité avec la petite talonnade de Griezmann, l'arrêt ou la parade du gardien de but polonais. C'était un petit peu brouillon tout ça. Ouais, Szymański dans la surface de réparation, va pour redresser pour Pelletti, pour Robert Lewandowski, Krikoviak. Et maintenant la frappe de Frankowski. Pardonnez-moi, je suis pas polonais première langue, mais là c'est vrai qu'on avait tellement chaud. Mais attention, parce que ça continue. Elle passe devant le but français, il avait étendu le pied Lewandowski et il n'était pas le seul. Il passe en retrait pour Lloris, attention Lloris, pas trop prendre de risques. Voilà, il a perdu le ballon, qu'est-ce que ça m'énerve ces ballons là, qu'on donne, qu'on se redonne derrière, voilà. Il faut dégager. On est dans le camp tous des Polonais avec Mbappé, allez Giroud, c'est idéal pour Giroud, il va marquer. Oui, ça y est, Giroud, Giroud, ça y est, Jacques, le record, ça y est, le record est battu, ça y est, c'est fait, 52 buts. On est dans le temps additionnel, 2 minutes de sifflet, mais ce sera la fin. Et c'est la mi-temps. La mi-temps. En effet, le score en faveur de l'équipe de France, 1-0. L'idéal. Giroud, l'idéal. Le sauveur. Ouais, Giroud bat le record et on mène 1-0. C'est reparti pour cette deuxième mi-temps. Donc ici, à Doha, au stade Al Toumama. Minute et Mbappé, Giroud là. Oh, le troisième but. Le troisième but de Kylian Mbappé. Le troisième. Ça serait une main, ça serait une main de d'Upamecano sur ce pénalty. Le duel, Lewandowski, Hugo Lloris. C'est parti pour l'attaquant du FC Barcelone qui se concentre et qui, du droit, avec des petits pas, eh bien, est en train de rater son pénalty. L'arrêt d'Hugo Lloris. L'arrêt d'Hugo Lloris. Il a totalement raté son geste, Lewandowski. Et là, cette fois, je pense que c'est fini, à moins que l'arbitre ne redonne pénalty. Il fait retirer le pénalty. Mais pourquoi ? Il était passé, il était plus sur sa ligne, je crois. Après avoir bien raté ce premier pénalty, il va avoir une deuxième occasion de scorer pour la Pologne. Cette fois, il y va plus franchement. Et cette fois, il prend Hugo Lloris à contre-pied. 3 buts à 1 pour l'équipe de France. C'est terminé, Jacques. On n'ira pas plus loin. L'équipe de France est en quart de finale de la Coupe du Monde.